cette réunion. Je voulais remercier les nombreux soutiens du peuple palestinien qui sont là, de la métropole, de la région, qui sont donc reçus à la Bourse du Travail à Lille pour une rencontre soirée avec Ilan Pappé, qui est historien israélien, qui est un de ceux que l'on présentait comme ceux de la nouvelle histoire et qui a poursuivi jusqu'au bout son combat dans ce domaine, son combat d'historien et son combat aussi de citoyen sur la réalité de ce qu'est Israël. Michel Collomb, que vous connaissez, d'investigation, avec ses combats aussi de vérité sur ce qu'est Israël, mais sur ce qu'est aussi le monde du travail. Je n'ai pas détaillé toute la bibliographie qu'est capable de produire Michel Collomb. Cette réunion autour d'Ilan Pappé et de Michel Collomb a été permise grâce à la CGT Investig Action qui nous a permis d'avoir la salle, je crois que, mais qui est aussi très présente dans le combat pour le soutien au peuple palestinien au niveau national, mais aussi dans notre région, et qui signale d'ailleurs qu'il y a une solidarité du monde enseignant avec la Palestine. Je donnerai la parole d'ailleurs immédiatement ensuite, après cette très courte présentation du débat, à William Roger, qui est le responsable du syndicat CGT Investig Action. Ce que je voulais dire, c'est que... Éducation. Ceci dit, c'est une jolie appellation. Hein. Ce que je voulais dire simplement en introduction, très rapidement, c'est deux ou trois points. Un, la réalité de la nécessité de faire la clarté sur Israël. Moi, j'ai été frappé, vous l'avez dit dans notre message Palestine, par la déclaration d'un député du Rhône, qui est aussi ancien juge d'instruction, et qui fait d'Israël le modèle en matière de prévention du terrorisme, et qui veut installer des centres de rétention en France. C'est dire la gravité de ce qui atteint nos élites et la façon dont est travestie dans notre pays la réalité de l'apartheid israélien imposé à la Palestine, ce régime de terreur imposé à la Palestine. Et c'est ça qu'on voudrait apporter chez nous. Deuxième élément, cette réunion que l'on est en train d'établir, que nous tenons ici, se tient au moment où l'on parle d'une réunion de l'OCDE dont Israël a été admis grâce notamment à la France, entre autres. Et donc cette réunion de l'OCDE, cet organisme européen, il y a une réunion de l'OCDE, des ministres de l'éducation de l'OCDE qui va se tenir en Israël sur les technologies éducatives. Certes, on me dira, la France n'est pas inscrite. Certes, mais la réalité aussi que mène la politique française, et ça, il faut y être très attentif, c'est l'interdiction de la manifestation qui se tenait jeudi à Toulouse pour 4 militants, boycott des investissements, sanctions contre Israël, qui sont mis en procès à nouveau pour avoir distribué des tracts. Donc chez nous, il faut savoir, la lutte pour le soutien au peuple palestinien avec ceux qui répondent à l'appel de 2005 sont traduits devant, de 2005 de la société civile palestinienne, sont traduits devant les tribunaux, sont condamnés, et c'est des questions sur lesquelles nous voulons travailler sérieusement. Mais qu'un préfet de la République se permette de signer l'interdiction d'une manifestation en parlant de discrimination qui serait exercée
par ceux qui veulent manifester, c'est proprement inacceptable, inacceptable. Et certes, la France ne va pas à la réunion qui va se tenir en Israël, mais la réalité du pouvoir français, c'est l'interdiction de la manifestation, c'est le geste d'un procès d'un préfet qui a interdit une manifestation. Je vais donner tout de suite la parole à William Roger. J'indique bien entendu que, je le redirai peut-être en conclusion, nous prenons des coups quand nous soutenons le peuple palestinien. Mais nous sommes aussi capables d'emporter des succès et de marquer un certain nombre de points. Nous sommes capables de faire reculer, par exemple, sur la question des prisonniers palestiniens, Bilal Kayed, en fin de compte, va être libéré, va sortir en décembre de prison sans qu'il y ait une nouvelle détention administrative. De même, trois militants qui étaient en grève de la faim vont connaître la même situation. Donc nous sommes capables aussi, grâce à la solidarité internationale, de faire reculer Israël, de faire reculer dans les prisons. Nous ne sommes pas condamnés à subir, seulement à subir. Nous sommes capables, par l'Union, en bas, de faire reculer Israël. Et je donne tout de suite la parole à William Roger. Bonjour à tous, bonjour aux organisateurs, co-organisateurs à l'association France-Palestine Solidarité, à Investigation, pour cette soirée. Alors nous, moi, au nom de la CGT Éducation, nous participons aussi à l'organisation, et notamment en permettant que cette conférence ait lieu dans cette salle, qui est un local syndical. Ça nous paraît extrêmement important, en tant que syndicat, que ce genre de discussion, de présentation d'ouvrages puisse avoir lieu. Aujourd'hui, en France, en 2016, il y a des sujets qui méritent d'être davantage connus et faire partager. La lutte pour la paix, la lutte contre le racisme sont des valeurs chevillées au corps de notre syndicat. Et de ce point de vue-là, nous sommes, en tant que syndicat CGT de l'éducation, investis dans la campagne BDS, boycott des investissements sanctions. Ça nous paraît un aspect démocratique extrêmement important. On a besoin de davantage développer ces idées-là contre la réaction, contre la régression de notre société qui aujourd'hui vire de plus en plus dans la volonté d'opposer les uns aux autres et d'empêcher la réflexion, d'empêcher le débat. Et je pense que accueillir aujourd'hui Ilan Pappé, ce soir à Lille, c'est un élément important qui va nous permettre de mieux comprendre, d'y voir plus clair dans le brouillard idéologique que les puissants essayent de diffuser. Et on a besoin, si on veut avancer, notamment pour nos luttes progressistes, d'y voir plus clair. Alors voilà pourquoi nous sommes heureux que cette conférence puisse se tenir ce soir. Nous avons contribué donc à l'organiser. Merci à vous et merci à tout le monde. Il est désolé que la réunion aujourd'hui va se faire en anglais, mais personne n'est parfait. And thank you very much for coming tonight. Merci beaucoup d'être venu ce soir. And thank the organizations that collaborated in bringing me over to Lille. It's a great pleasure to be here. Merci beaucoup à tous les organisateurs de m'avoir fait venir ici. C'est un grand plaisir d'être avec vous. I would like to tell you a little bit about the book, but before I do that, because I think for some of you it's the first time you meet me, I will say something about myself. Avant tout de parler de mon livre, je vais me présenter. I was born in Haifa. 6 years after the state of Israel was founded. Je suis né à Haïfa, 6 ans après la création de l'État d'Israël. I had a very typical Zionist upbringing. On m'a élevé dans une vue tout à fait sioniste.
And through a long process, which I have no time to describe, après un long processus qui serait trop long ici de développer, I became a very committed anti-Zionist. Je suis devenu quelqu'un de vraiment anti-sioniste. Some of you may know about one of my books, which is The Ethnic Cleansing of Palestine. Certains d'entre vous connaissent mon livre qui s'appelle L'épuration ethnique en Palestine, which described the expulsion of the Palestinians in 1948 as a crime against humanity. Qui décrit l'expulsion des Palestiniens en 1948 qui est un crime contre l'humanité. Which began a confrontation between myself and my state, which led to my expulsion from my university. Qui m'a conduit dans une grande contradiction avec le gouvernement et qui m'a amené à être expulsé, viré de mon université. And now I teach in England and I am very active on behalf of Palestine. Et maintenant j'enseigne à l'université en Grande-Bretagne. This book was written because of this transformation. Ce livre, c'est le résultat de cette transformation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Because one of the first things that happens to you is that you look at the propaganda in which you yourself believed and you cannot believe that you ever believed in it. En fait, c'est tout ce qu'on a cru quand on a cru la propagande. Une fois qu'on a compris que le rideau s'est déchiré, on se dit c'est incroyable que j'ai pu croire des choses pareilles. But you know that a lot of millions of people still believe in this propaganda from top in the government to the average person in the street. Quand on pense qu'il y a des millions de gens qui croient encore à cette propagande en partant du haut du gouvernement jusqu'en bas dans la rue. And if you look at what this propaganda is trying to sell, you cannot understand how it can succeed as being so successful for so many years. Et ça paraît incroyable que les gens puissent croire des choses comme ça. Ça paraît tellement énorme. How can anyone take seriously a story of someone who comes to a place and says, I used to live there 2,000 years ago, therefore the place is mine? Comment est-ce que c'est possible de croire que des gens sont venus dans un endroit et ont dit, il y a 2000 ans, j'ai habité là, donc s'il vous plaît, maintenant je suis chez moi. How can someone look at people who were expelled from their own home country as the villains, as the bad guys in the story? Comment est-ce qu'on peut croire que les gens qui ont été expulsés de chez eux, ce sont eux les méchants, ce sont eux vraiment les méchants? How can a policy of colonization, oppression and ethnic cleansing be described as self-defense? Comment est-ce que une politique qui est menée d'épuration ethnique, d'expulsion, puisse être qualifiée comme quelque chose de normal, née dans la culture arabe? And you can imagine how it is manifested in films. What would be the image of the Arab or the Palestinian in such a film? Je vous laisse imaginer ce que peut être, comment on peut représenter un arabe ou des palestiniens dans ce genre de film. It doesn't matter that, for instance, these two fabrications of history contradict each other. Et ça n'a pas d'importance si ces deux façons de voir peuvent se contredire. If the country was empty, who are these people who attacked the Zionist movement? En fait, soit la terre était vide, soit il y avait des méchants arabes qui ne voulaient pas qu'ils s'installent. Et ça, c'est une grande contradiction. This is the power of propaganda. It can work through fabrication, contradiction, as long as it claims to be scientific, or it uses the film as a means of mass indoctrination. Ça, c'est le propre de la propagande. Soit on utilise des bases dites scientifiques, soit on utilise les films où on joue sur les émotions. Another example is
the way both the Israeli academia and film industry connected between the Nazi Germany or the Nazi ideology and the Palestinian resistance to the Zionist movement. Can you repeat? Yes. Another example is the way that both the academia and the film connected between Nazism and the Palestinian resistance to Zionism. L'autre question, c'est comment les académiques et les autres ont connecté les Palestiniens au nazisme. Ah oui, d'accord. Okay, that's even simpler. So, est-ce que tout le monde a entendu? Ça va? Alors, comment les académiques ont connecté les Palestiniens avec le nazisme, identifié les uns et les autres? So this is done by claiming that the Palestinian national movements had connection to Nazi Germany in the Second World War. Oui, en fait, en disant que le mouvement palestinien avait des liens avec le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. And in the films, the Palestinians, whether it's Yasser Arafat or Palestinian leaders, are depicted as Nazi leaders or Nazi criminals. Et dans les films, les leaders palestiniens, par exemple Yasser Arafat, est décrit comme un leader nazi. Because if you can make this connection, you can claim that what Zionism did in Palestine was an answer to what was done to the Jews in Europe. Parce que comme ça, on peut dire que si le sionisme, en fait, c'est la réponse à ce qui s'est passé avec l'Holocauste. And finally, I will give the example that shows that the Palestinian resistance in the occupied territories, the West Bank and the Gaza Strip, is all the time depicted as pure terrorism. Et tout ce qui s'est passé dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, c'est effectivement à chaque fois décrit comme du terrorisme pur. It is never analyzed as a reaction to criminal policy, but it's actually an act by criminals. En fait, c'est jamais analysé comme étant la réponse à ce qui est effectivement sur une occupation, mais simplement comme des actes terroristes. But this book is not just about the success of propaganda. Ce livre n'est pas seulement, ne parle pas seulement du succès de la propagande, de sa réussite. It's also a book about the failure of this propaganda. Mais ça parle aussi de tous ces échecs de cette propagande. And it happened for several reasons. Et pour, ça arrive, enfin, c'est arrivé pour plusieurs raisons, ces échecs. First of all, there is a counter-narrative. There is the Palestinian version of events. D'abord, il y a eu la version produite par les Palestiniens. It took time for the Palestinians to produce academic work and films because of the reality. Ça a pris du temps pour les Palestiniens de contredire cette propagande à travers des recherches académiques, des films. They had no state, they didn't have the same means as the Zionist movement in Israel. Ils n'avaient pas d'état et surtout beaucoup moins de moyens que la machine de propagande israélienne. And the Western academia and media did not accept them as legitimate side. Et les médias de l'Ouest, les médias occidentaux, étaient très peu volontaires pour faire passer effectivement la version palestinienne. But this has changed since the first Intifada, and now there is much more Palestinian academic research and filmmaking that shows a different story. Mais ça a changé depuis la première intifada. Maintenant, on commence à avoir des recherches académiques de la part des Palestiniens et aussi des films. Another reason is what I call in the book post-Zionism, that is academics and filmmakers who are challenging the Zionist propaganda themselves. Et il y a aussi ce qu'on appelle maintenant le post-sionisme, des académiques, j'aime pas ce mot-là, ça va pas en français, on dit pas ça. Des chercheurs. Ouais, des chercheurs.
des chercheurs académiques et aussi des réalisateurs de films qui ont commencé à poser des questions. They were particularly active in the 1990s. Ils étaient particulièrement actifs dans les années 80. They wrote in 90s. They wrote books and made films which in many ways accepted the Palestinian narrative and not the Zionist one. Ils ont fait des films, ils ont écrit des livres dans lesquels il y avait la narration avec les Palestiniens et non pas comme les purs sionistes. So they described the Zionist movement as a colonialist movement. Ils ont bien décrit le sionisme comme un mouvement colonial. The 1948 Nakba as an act of ethnic cleansing. Que en 1948 la Nakba c'était bien une épuration ethnique. And the Palestinian resistance in the occupied territories as a legitimate resistance. Et que en fait ce qui se passe dans les territoires occupés c'est bien une résistance légitime. And when the criticism comes from within, it is always very powerful. Et quand la contestation vient de l'intérieur, ça c'est très puissant. The last reason that the propaganda is not working so well. Et là maintenant il y a une autre raison pour laquelle la propagande ne marche plus si bien. Is that in the 21st century it's very difficult to hide things. Au 21e siècle maintenant, il est très difficile de cacher des choses. A lot of young people have come to Palestine and Israel and saw for themselves what is happening. Il y a plein de jeunes maintenant, young Israelis. No, young people from abroad. Okay. Il y a plein de jeunes qui viennent de l'étranger et qui ont vu ce qui se passe en Israël et dans les territoires. And reported through the internet or alternative media the reality on the ground. Et ont évidemment utilisé tous les réseaux sociaux pour pouvoir témoigner de ce qui se passe. This is why when you arrive today in the only airport that Israel has, Ben Gurion Airport. C'est pourquoi nous sommes. You will see. Sorry. No, c'est pourquoi lorsqu'on arrive au seul aéroport d'Israël, Ben Gurion, You will see a lot of security people trying to identify young Europeans who might want to volunteer in the occupied territories or report what's going on there. C'est pourquoi quand on arrive à l'aéroport Ben-Gurion, on voit tout de suite des forces de sécurité qui essaient d'identifier les jeunes qui viennent d'autres pays, comme peut-être des gens qui seraient des témoins éventuels. It's probably the only place in the West that if you have a beard, you will pass through. But if you look like a young European, you will be stopped. C'est peut-être le seul aéroport où si vous avez une barbe, vous pouvez passer, mais si vous avez une tête de jeune Européen, on vous arrête. Because they are afraid of this information that comes from the territories itself. Parce qu'ils ont très très peur de l'information qui vient des territoires eux-mêmes. I think that despite the fact that the propaganda is failing, we have to understand what is going to happen next. Même si la propagande commence à avoir des failles, il faut aussi s'attendre à ce qui va arriver. Inside Israel, because of the inability to sell the propaganda anymore, they have given up, they are giving up the game of democracy. Alors, à l'intérieur d'Israël, parce que c'est de plus en plus difficile de continuer cette propagande, ils abandonnent. The game of democracy. Ah oui. Ils commencent à abandonner le jeu de la démocratie. Which means more the policies towards the Palestinians are more brutal. La politique envers les Palestiniens est de plus en plus brutale. And also against this. Dissident Jewish voices. Et aussi, bien entendu, contre les dissidents à l'intérieur, les juifs dissidents. So, I don't know how one should take it. On the one hand, it's easier now to expose Israel for what it is. Alors, d'un côté, c'est plus facile de montrer Israël tel qu'il est.
than it was, let's say, 20 years ago. Comme il y a 20 ans. But on the other hand, the victims of Israel are suffering more than ever before. Et les victimes d'Israël sont évidemment souffrent beaucoup plus qu'avant. So that's one thing that happens. Justement, on fait l'expérience, convaincre sur Israël quelqu'un qui croit à tout ça, c'est pas évident. Vous allez vite recevoir des épithètes. On va vite s'énerver, et ça, attention, quand on s'énerve, on a perdu. Et donc, je pense que ce livre, il est très très utile, parce qu'il montre que vous n'êtes pas en train de discuter avec une personne qui peut se tromper, ce qui peut arriver à tout le monde. En fait, vous êtes en train de combattre un appareil de propagande avec plein d'argent et plein d'experts qui sont en train de réfléchir comment on va défendre un dossier qui est pourri, un dossier qui n'a aucune chance, et comment on va culpabiliser les gens pour quand même faire en sorte qu'on croit à ce dossier pourri. Donc c'est ça le problème qu'on a. On affronte des dollars, des experts, et tout un poids de culpabilité qu'on a réussi à installer de par la complicité entre les dirigeants israéliens, ces chercheurs et culturels israéliens, sionistes, et nos gouvernements, nos médias, nos chercheurs, et tous les tabous au sujet d'Israël. Donc je pense que ce livre, c'est vraiment le complément à ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit il y a 6 ans maintenant, Israël, parlons-en, Let's Talk About Israel, qui était la synthèse des arguments pour répondre à la propagande d'Israël. L'idée de ce bouquin, elle m'était venue en 2009, au moment de l'attaque contre Gaza. Il y avait, je donnais des conférences sur un autre thème à ce moment-là, mais évidemment on a parlé de Gaza, et j'ai remarqué chez beaucoup de gens, et particulièrement chez les très jeunes, que évidemment on était en colère sur Israël, mais on avait du mal à argumenter, on avait du mal à expliquer les faits de ce qui s'était vraiment passé en 1948, en 67, dans les différentes périodes. On manquait de connaissances et d'arguments. Donc j'ai choisi de faire ce bouquin, qui était donc un ensemble d'interviews des meilleurs analystes, dont Ilan. Il y avait Chomsky, il y avait Samir Amin, il y avait Ramadan, il y avait toute une série d'analystes. Le bouquin est épuisé là pour le moment, mais on va le rééditer bientôt. Et j'ai vu que c'était vraiment un besoin important, d'ailleurs, il est épuisé, parce qu'on en a déjà vendu 15 000, bien que c'est un bouquin qui n'a pas eu une seconde à la télé et n'en aura jamais, ni une ligne dans les médias et n'en aura jamais. Mais on voit bien qu'il y a un besoin fondamental chez tout le monde et chez les jeunes d'être armé, au bon sens du mot, pour pouvoir combattre les médias mensonges. Donc, je voudrais dire ceci, et que le livre de Ilan me semble un complément indispensable à ce travail, parce que ainsi on comprend qui fabrique cette propagande, comment, avec quelle stratégie, et si on sait ça, on peut mieux combattre cette propagande, on peut mieux montrer d'où ça vient. Et je pense, comme Jean-François l'a dit en introduction, il y a un facteur psychologique très important dans tout ceci. On rencontre trop souvent du défaitisme et du pessimisme parmi ceux qui défendent la cause palestinienne. On a trop souvent cette idée, ils sont trop forts, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont la violence, on n'y arrivera pas. C'est compréhensible, mais en réalité, il y a un point très important, c'est de montrer qu'eux aussi ont des grands problèmes, aussi bien Israël que ses patrons, les États-Unis, et que les élites françaises qui défendent le colonialisme et l'apartheid, ils ont un problème, et donc Jean-François a tout à fait de raison de dire il faut qu'on ait confiance, qu'on est capable nous-mêmes de porter des coups, qu'on est capable nous-mêmes de partir à l'offensive, et ça me semble très important. Jean-François, là, il aurait pu en parler, mais en conversation au début, me disait qu'il est en train de faire des recherches sur la question de le BDS, le boycott d'Israël, est-ce que c'est légal ou non? Vous savez que dans votre pays, à l'avant-garde de l'Europe sur beaucoup de plans, on a une criminalisation des gens qui font BDS. On a même une déministre de la justice
qui ont exigé qu'on poursuive des gens qui défendent les Palestiniens. Et donc, on a des ministres de la justice qui devraient défendre le droit et qui sont en train de piétiner le droit, de raconter n'importe quoi et de dire que faire BDS, c'est de la discrimination et que c'est punissable. Alors, évidemment, ce que l'État d'Israël fait, c'est de la discrimination, c'est ça qui est punissable. Et ces ministres qui se montrent solidaires du colonialisme et de l'apartheid devraient être traduits en justice. Et personnellement, je pense que nous devons passer à l'offensive et faire en sorte que les dirigeants politiques qui essayent d'intimider le boycott d'Israël, c'est eux qu'il faut amener en justice par des plaintes collectives maintenant, sur base tout simplement de la Constitution française, de la Déclaration des droits de l'homme, qu'ils bafouent complètement, parce qu'il n'est pas très compliqué de montrer qu'Israël est un État raciste. Donc voilà, je crois que ce sont deux, trois idées, mais je vais être très bref, parce que je pense qu'il en a été très bref aussi, justement, dans l'idée d'échanger avec vous et de partir essentiellement de vos questions, de vos besoins, pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour vraiment l'emporter. Je suis convaincu que c'est possible. Je suis convaincu que la domination du sionisme est en train de s'affaiblir, que la situation mondiale fait en sorte que c'est une course de vitesse. Ils recourent à la violence, ils sont de plus en plus brutaux, mais c'est parce qu'ils ont peur des peuples, ils ont peur de la démocratie, et que si nous jouons à fond la démocratie, le débat et la lutte des idées, nous allons l'emporter. Je vous remercie. La parole va maintenant être à la salle. On a un micro-baladeur, n'hésitez pas. Et j'ai déjà indiqué, si on avait quelques problèmes avec la technique, la salle est très bonne, donc vous pouvez parler fort, il n'y a pas de souci, on vous entendra. Est-ce que notre ami israélien comprend le français ? Non, il parle uniquement, et là, s'il parle uniquement anglais, mais vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions, les traductions seront faites, pas de soucis. D'abord, je voudrais saluer ce monsieur d'être venu en France, mais je voudrais dire une chose qui est quand même assez impressionnante. Quand même, moi qui suis un citoyen comme les autres, en toute humilité, je suis choqué de voir que des grands syndicats dont je suis invité, jamais aucun d'entre vous, je ne vous ai vu inciter le boycott des produits Israël, qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient pharmaceutiques, etc. Il est effectivement, c'est une réalité, de trouver une liste concrète de boycott des produits israéliens. Excusez-moi, bon, moi j'ai très bien, vous les trouvez, d'accord, ok. Mais le second plan est, c'est, dites-moi, pourquoi les syndicats français, j'ai pu moi-même être sur place lors des Nuits debout, lorsqu'on parlait des boycotts, des produits israéliens et de la misère, et justement des boycotts, en sachant que, par exemple, on prend un simple exemple simple, le patron de SFR est un Israélien, monsieur, voilà, on est bien d'accord, ce monsieur se permet de faire une allégation de sa identité nationale française, voilà, et de se dire, je suis israélien, et voilà, et que aucune entreprise ne se permet, ou même un service public ne se permet d'inciter les gens à boycotter ces produits. Voilà. Et une dernière chose, ce qui m'a assez choqué, c'est de voir les syndicats ne jamais réagir concernant la loi Guesso. J'étais moi-même en toute humilité étudiant, j'ai étudié l'histoire, et je trouve choquant qu'on puisse dire à des gens qui étudient l'histoire, sur les angles les plus abominables qu'ils soient, de leur dire, toi, ce sujet-là, tu touches pas, sinon tu prends 10 ans de prison. Je n'ai vu aucun syndicat français agir et contester cette loi. Voilà, la loi Guesso, je tiens à le dire. Voilà, je vous remercie. Je tiens quand même à saluer mon camarade israélien qui s'est déplacé. Donc, je précise, on va prendre 3-4 questions. Et la tribune va répondre, et notamment Ilan Papé et Michel Polo. Donc encore 2-3 questions, on va redonner la parole à la tribune. Voilà. Je voudrais m'adresser à notre collègue israélien.
Donc c'était pour lui dire que je pense que la démocratie dans les pays arabes, elle n'est pas souhaitable, quand on voit ce qui s'est passé en Libye, en Syrie. Et n'oublions pas qu'on vit en France dans un pays démocratique, un des plus démocratiques qu'il y avait, où la démocratie a totalement disparu parce qu'elle est sionisée depuis l'arrivée de M. Valls. Notamment, comme dit notre collègue, la LDJ qui est interdite en Israël et aux États-Unis, et l'entrée du président du CRIF chez le président de la République fait prendre des lois anti-musulmans, anti-arabes, ici en France. On est en train de développer pour pouvoir tuer les Palestiniens tranquillement. Et une dernière chose, c'est est-ce que tous les pacifistes qu'il y a en Israël ne devraient pas aller à Gaza habiter avec les Palestiniens pour éviter une colonisation d'autres Palestiniens plus sionisés? Aucun syndicat n'a rien fait pour le LDJ, la dissolution du LDJ du Bétard. La personne suivante pour la question suivante, qui est effectivement devant. Bon, merci pour m'avoir donné la parole. Et je voudrais d'abord saluer moi aussi le courage de son camarade israélien, qui a le courage de dénoncer les abus commis par. C'est mieux de parler dans le micro. Qui a eu le courage de dénoncer et d'éclairer surtout l'opinion publique sur les abus commis par l'État israélien contre les Palestiniens. Et ma première question, est-ce que vous avez dit que vous travaillez à Londres maintenant, est-ce que vous pouvez entrer en Israël aujourd'hui? Ma deuxième question, on parle très souvent de la construction de la paix au Moyen-Orient en créant deux États palestiniens, en créant un État israélien. Il existe, il s'est créé. Et est-ce que vous croyez à la viabilité de ces deux États ou alors ne faudrait-il pas créer un seul État bon, de type fédéral où les Palestiniens et les Israéliens cohabitent, vivent ensemble? Ma troisième interrogation, mon inquiétude, c'est sur l'Afrique. Après les années d'indépendance, bon, dans les années 70, on voyait que les États africains réellement combattaient le sionisme, combattaient vraiment, soutenaient sérieusement les Palestiniens. Aujourd'hui, on assiste à un retour de l'État israélien en Afrique. Netanyahou a été reçu à grande pompe tout récemment par sept pays africains dans la région des Grands Lacs. Comment expliquez-vous cela? Je vous remercie. Merci pour les questions. Il y aura une seconde série de questions ensuite, mais je vais donner tout de suite la parole à la tribune parce que ce sont des questions extrêmement lourdes qui viennent d'être posées et je pense que, voilà. Je redonne la parole aux deux intervenants. J'espère qu'il y a des syndicats qui pourraient nous répondre. Oui, oui, la solution du Bétard et la LDG. C'est très important. Mais vous pouvez faire la question, mais on va faire la réponse. Thank you for your comments and questions. He's in good shape. He can run it. He's young. Okay, so I say thank you for the comments and questions. Merci beaucoup pour vos questions et vos commentaires. The questions about the French trade unions, I would leave my two friends to deal with. La première question par rapport aux syndicats, je vais laisser la réponse à mes amis. Let me talk about the situation in Israel according to the two questions.
Maintenant, je vais donc vous parler de la situation en Israël par rapport aux questions qui ont été posées. And the future solution. Et d'une solution future. And then I'll say something about Africa. Et je vais après parler évidemment de l'Afrique. First of all, I myself can return to Israel, but I cannot work in Israel. Moi, personnellement, je peux retourner en Israël, mais je ne peux pas travailler en Israël. Israel is very careful when it deals with Jewish citizens. Israël fait très très attention quand il s'agit de citoyens juifs. That's why I'm so disappointed that there are not so many of us who are willing to challenge the country, the state. C'est pour ça que je suis très déçue qu'il n'y ait pas plus de gens comme moi, c'est-à-dire des citoyens juifs, qui effectivement dénoncent ce qui se passe. We have privileges and we should use it the struggle for justice. On a des privilèges et il faut les utiliser pour pouvoir effectivement se battre contre l'injustice. I wrote this book because I think the propaganda also works on the Jewish community in Israel. J'ai aussi écrit ce livre pour les juifs qui habitent en Israël. C'est aussi pour eux. Israel invests a lot of effort to segregate, to separate Jews and Arabs. Israël dépense beaucoup pour séparer les juifs et les arabes. I don't know if you know, but the educational system in Israel is segregated. Le système scolaire en Israël est ségrégé. When we tried to create Arab-Jewish schools, the government did all it could to abolish them. Quand on essaye de créer des écoles mixtes arabes et juives, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour que ça ne se fasse pas. If a government is so busy in separating people, it means that there is a good chance for the people to come together. Si le gouvernement passe son temps à essayer de diviser les gens, c'est bien que s'ils étaient unis. I can give an example from the Galilee where I live. Je vais vous donner un exemple de la Galilée où j'habite. Where half of the population is Palestinian and half of the population are Jews. La moitié de la population est palestinienne et l'autre moitié sont des juifs. Israel created cities for Jews, only for Jews. En Israël, donc dans cette région, il y a des villes uniquement pour les juifs. Today, against this policy, almost one third of the population in these cities are Palestinians. Et contre cette politique, il y a un tiers, one third. Il y a un tiers des villes qui sont palestiniennes, occupées par des Palestiniens, où il y a des Palestiniens qui habitent. So, from below, the people have a lot in common and can live together. En fait, pas vraiment par en dessous, en venant du plus profond d'eux, les gens ont. J'ai oublié, je suis fatiguée. ont envie de vivre ensemble. Okay. Yeah. What cannot work is a system of apartheid and oppression. That the government wants to implement. En fait, ce qui ne peut pas marcher, c'est un gouvernement d'apartheid, de séparation que le gouvernement essaie de mettre en place ou met en place. In order to get rid of this apartheid colonialist regime. Afin de se débarrasser de ce régime colonialiste. Et d'apartheid. It's not possible to do it through a two-state solution. C'est pas possible de le faire avec deux États. A two-state solution means that the colonization and apartheid would be limited, would be only in 80% of Palestine. Ça veut dire que les deux États, ce serait 80. Un État aurait 80% oui, je suis fatiguée là. Ça veut dire qu'un des deux États aurait 80%. I think that all of Palestine and all the Palestinians should be liberated from the oppression. Je pense que l'ensemble de la Palestine et l'ensemble des Palestiniens devraient être libérés de l'oppression, including the Palestinian refugees. Y compris les réfugiés palestiniens. This cannot happen in a two-state solution.
ce qui est impossible dans un dans une solution à deux États. And finally, on the question of Africa. À propos de l'Afrique. I think, unfortunately, there's no difference today between the political elites of the West and the political elites in Africa. Je pense que malheureusement, il n'y a aujourd'hui pas de différence entre les élites européennes et les élites africaines. None of them is pursuing a policy on the basis of morality or any ideals. Ni l'une ni l'autre ne suit une politique basée sur la moralité ou sur des idéaux. And therefore, we need not just an Arab Spring. We need an African spring and we need a European spring. C'est pourquoi il nous faut non seulement un printemps arabe mais aussi un printemps africain et un printemps européen. But we are all ready. Sorry about that. La question sur les syndicats n'est ni pour Ilan ni pour moi puisque je suis un immigré. Donc ce sera plutôt pour Mireille ou pour William. Oui, je vais aussi, je vais donner la parole aussi à Mireille. Mais je voudrais dire que d'abord, comme association, nous avons toujours veillé ici, dans le Nord, Pas-de-Calais, à associer les organisations syndicales au combat, à s'unir. Quant au Salah Maurice, ce franco-palestinien qui avait été emprisonné, jugé, condamné à 7 années de prison alors qu'il était innocent. Et lorsque Salah Mourie, libéré, vient dans le Nord-Pas-de-Calais, sa première visite, j'y assiste, c'était à la Bourse du Travail de Lille. Elle n'était pas ici à l'époque. Et c'est pas par hasard qu'on a choisi de faire la réunion ici, à la Bourse du Travail. On va dire que le monde du travail, nous avons toujours veillé, nous en tant qu'association, à ce qu'il soit associé au combat. Mais je donne la parole à Mireille et à William pour indiquer, parce que je pourrais être long là-dessus, je vais faire donner la parole à Mireille pour indiquer quel est le combat de la CGT, par exemple, avec William Roger, concernant le soutien au peuple palestinien. Mais je pense que ce n'est pas besoin de redire ce qui a été dit en début de conférence, puisque le secrétaire général de la CGT Éducation Nord a expliqué en quoi c'était un combat essentiel pour les travailleurs de relier la question palestinienne au combat aussi pour les droits démocratiques ici des travailleurs en France. Et ce n'est pas un hasard si à la tribune on a aussi le drapeau de la CGT. Donc, en tant qu'association, AFPS, Association France Palestine Solidarité, quand on fait des actions de boycott devant des magasins, nous y associons, comme Jean-François Larosière vient de le rappeler, systématiquement les organisations de travailleurs, donc les organisations syndicales, et plus largement toutes les associations démocratiques. Et donc, nous trouvons, effectivement, avec... des représentants de la CGT, mais aussi du syndicat solidaire, mais aussi du syndicat FSU, de la CNT aussi, qui sont signataires, par exemple, de la campagne BDS, Boycott des investissements sanctions. Donc, c'est peut-être pas le combat prioritaire aujourd'hui des travailleurs, vu l'état dans lequel le monde du travail se retrouve, notamment avec la bagarre contre la loi travail. Mais c'est une question essentielle et à l'AFPS, on tient vraiment à relier ce combat pour les droits du peuple palestinien avec le combat des droits des travailleurs. Parce que je pense que Ilan l'a dit tout à l'heure, peut-être aussi, ou alors je le dis avant qu'il le dise, parce que tout combat qu'on gagnera, que ce soit au niveau des travailleurs français ou des travailleurs palestiniens, ce sera de toute façon... une victoire pour tous les peuples et pour tous les travailleurs. Voilà, je pense que je ne vais pas être plus long que ça. Simplement, avant de redistribuer le micro, il y a une boîte qui va circuler pour vous demander une petite participation financière, parce qu'on est tous des bénévoles et on, voilà, Ilan est venu tout à fait bénévolement de Londres. Donc voilà, on vous demande une petite contribution financière aussi pour l'aider à rentrer...
dans son pays d'exil. Merci à vous. Je vais redonner à la salle un simple souvenir, mais parce que c'est un peu symbolique aujourd'hui, il y avait le combat des Alstom à Belfort aujourd'hui. Or, dans les combats qui ont été menés et qui ont été gagnés, du point de vue syndical, y compris avec l'appui de la CGT ici à Lille, c'était en 2006, eh bien, contre le tramway de Jérusalem, qui est ce symbole fort de l'annexion de Jérusalem par Israël, contre ce tramway de Jérusalem, nous avons mené un combat qui est victorieux, en fin de compte. Et il ne faut pas oublier que dans boycott des investissements sanctions, il y a le côté désinvestissement, et nous continuons le combat pour que Veolia, pour que Alstom, pour que Orange cessent leur participation à la colonisation, aident à la colonisation. Et là aussi, c'est des points que nous avons marqués, y compris avec les organisations syndicales. Mais nous sommes une association, et nous sommes très attachés aux trois volets de BDS. Boycott, désinvestissement, qu'Orange, qu'Alstom, que Veolia, que Dexia, etc., etc., que les banques quittent, que les banques cessent d'investir dans les colonies israéliennes. Voilà les combats que nous menons aussi. First of all, I would like to thank Mr. Pape for intervention and our conference. It was very interesting, and I learned a lot of stuff and details about the situation in Israel. My first question is about the Arabic Spring. You talked a little bit about in the beginning of the conference, but I would like that you explain what you think about all this discrimination now in the Shia, Sunni Arabic, North, South, and all this stuff. And the second question is what Jean-François said in the beginning of his intervention. It's about the... Now in France, I don't know if you learned something about... We have few journalists, and especially pseudo-intellectual in the right wing. They are talking about the danger of secularism in France, especially. And someone of these people, a few days ago, he said that he would like to import the great experience from Israel, and he would like to welcoming this here about the suburbs, about discrimination, about the visible minority, and all this stuff. So I would like to, if you can explain, if you please, what do you think about this special difficulty? Because I, like you said, more in 1948 than 1967, there is discrimination, there is separation, there is the wall, and all this stuff. I think it will be interesting if you can explain that for us. And thank you very much. La question portait sur quelle leçon tirer du fait que des responsables politiques français demande qu'on prenne Israël comme un modèle de la manière de traiter les minorités et les dangers, donc s'inspirer d'Israël. C'est ça la question sur la sécurité. Bonjour à tous. Premièrement, en fait, je peux poser ma question, c'est bon ? C'était pour apporter d'abord une première information. Quand Monsieur Ilan Pappé a dit que effectivement il y a un soutien des chrétiens sionistes, effectivement on peut le confirmer. Oui, effectivement, parce qu'en fait j'étais l'année dernière dans une rencontre annuelle des évangélistes, il me semble, en Belgique, et c'est vrai que j'ai été frappé de voir un stand dédié au soutien d'Israël, avec une table, des drapeaux où on appelait directement à financer Israël et à signer une pétition pour leur soutien. Donc c'était juste une confirmation par rapport à ce qu'il avait dit. Et ensuite, ma question, ce serait pas vraiment ma question directement, mais en fait, j'ai été indirectement en contact avec un humanitaire qui se rendait en Palestine.
Il a amené une aide des vivres à des Palestiniens dans la bande de Gaza. Et un des Palestiniens a dit « Je te remercie pour ton aide, mais moi, à la limite, je ne meurs pas de faim. » Et il a interpellé ce jeune Européen, ce jeune humanitaire, en lui disant « Que fais-tu, toi, dans ton pays actuellement, la France, pour changer l'opinion publique ?» Et donc, c'était la question « Que fait-on pour changer l'opinion publique ?» Et par rapport au BDS, effectivement, c'est un mouvement qui est diabolisé par certains politiques. Est-ce que BDS devrait, entre guillemets, améliorer sa communication pour faire connaître ses actions et convaincre l'opinion publique? Parce que nous, à la limite, on est sensibilisé au problème, mais c'est vrai que l'opinion publique ne l'est pas, ne comprend pas ce conflit. Et donc voilà. Vous n'avez pas répondu sur les syndicats, bon, je rigole. J'ai deux questions. La première, donc, je suis française mais d'origine tunisienne, donc le printemps arabe, je sais ce que c'est. Et je voulais avoir votre avis notamment sur l'aide d'un grand philosophe français à la libéralisation du peuple libyen. Quel était son intérêt? Quel était l'intérêt de la France et celui notamment de Nicolas Sarkozy à ce moment-là, alors que Michèle Yomari avait bien dit qu'elle refusait d'apporter son aide à la révolution tunisienne et au contraire à Ben Ali. Et ma deuxième question, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est juste une interrogation qui peut être commune à tous. Quid de Daesh envers Israël, puisque la Syrie a quand même une frontière avec Israël. Donc je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que Daesh attaquera Israël, est-ce qu'il a intérêt à le faire puisque. I wanted to ask you too. You said, as a Jew, you are allowed to go to Israel back, and I was wondering why there are not more people like you who, you know, want to help the Palestinian community in Israel. Juste, ma question, c'est peut-être une sorte d'un schéma avec des questions précédentes. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment, si vous pouvez aller jusqu'au bout dans l'analyse de cette relation potentielle entre ce qu'on appelle aujourd'hui Daesh, ce monstre-là, et cet espoir qui a été raté, ce qu'on appelait le printemps arabe. Comme vous le savez, les États-Unis se sont servis de Al-Qaïda, de ces réseaux-là, avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Ils ont essayé à infiltrer dans ces réseaux-là, avec bien sûr les soutiens des pétromonarchies du Golfe. Et après, cette arme-là, ou bien ce jeu qu'on a créé, s'est retourné sur les Occidentaux et aussi sur ces sociétés arabes, ces sociétés musulmanes. Aujourd'hui, avec Daesh, est-ce que vous pensez, peut-être pas, je ne veux pas être de la théorie du complot, mais vous ne pensez pas que peut-être il y a une sorte d'alliance objective ou bien une sorte d'instrumentalisation de cette organisation-là par des services de renseignement israéliens, par des alliés peut-être américains pour que la démocratisation des sociétés arabes n'aboutisse pas, pour qu'il y ait toujours cette image des arabes terroristes, des... Merci. Okay. Yeah. Okay, the first question was about the Arab Spring. La question sur le printemps arabe.
there is one connection which is important. Il y a un lien important à faire. There will always be conflicts between different religious and ethnic groups in the Middle East. Il y aura toujours au Moyen-Orient des conflits entre différents groupes ethniques et religieux. But the Middle East, until the entry of European imperialism and Zionism, knew how to deal with these conflicts. Mais le sionisme savait comment gérer ces conflits avec l'impérialisme européen. Because outside factors always make sure that these conflicts continue because it benefits them. Des facteurs extérieurs faisaient en sorte que ces conflits continuent parce que c'était avantageux. One way forward would be to have a serious conversation in the Middle East about human rights and civil rights. Pour faire un pas en avant, il faudrait un débat sérieux sur les droits de l'homme, les droits civils au Moyen-Orient. Un débat dans le Moyen-Orient sur les droits civils, pardon. But if this conversation will not include Israel, it will never happen. Mais si cette débat, cette conversation n'inclut pas Israël, ça ne servira à rien. And we have a great assignment here, challenge. Et ça, c'est un fameux défi pour nous. To include the Israeli criminal policy in the general discussion of criminal policies today in the Middle East. La politique israélienne criminelle doit absolument être inclue dans le débat sur les crimes commis au Moyen-Orient. As for the other question, I think it's very important point that was mentioned that Israel is trying to now export itself as the only country that knows how to deal with terrorism. Quant à l'autre question, Israël est en train de s'exporter, de se vendre comme étant le seul pays qui sait y faire avec le terrorisme. Even the legal system in France is trying now to copy some of the Israeli methods. Même le système légal français est en train de copier des méthodes israéliennes. So I think we will hear even more about how Israel can teach France and other countries to deal with so-called terrorism. Alors on va, à mon avis, entendre davantage sur comment Israël peut être le professeur de la France sur le terrorisme. Our responsibility is to say that this is not a country or a state that can teach us about human rights, civil rights and democracy. Que ce n'est pas un pays qui peut apprendre quoi que ce soit à quiconque sur le terrorisme et sur la démocratie. You don't go to the mafia if you have a problem in school. Vous ne devez pas aller à la mafia si vous avez un problème à l'école. The second the next point was the young friend here who told us about his experiences in America. Notre jeune ami l'a raconté son expérience aux États-Unis. And he asked, no? C'était en Belgique, hein? In Belgium. Ah, I thought it was in Belgium. In Belgium. And the question was, what can we do? Et sa question, l'expérience n'était pas aux États-Unis, pardon, mais en Belgique. Et la question était, qu'est-ce qu'on peut faire? I always say that people in Europe should be VIPs. Moi, je dis toujours que les gens en Europe devraient être des VIP. They have to visit if they can. Ils doivent visiter si possible. Inform. Informer. And protest. Et protester. You cannot go and fight, but at least do the VIP thing. Vous ne pouvez pas aller vous battre, mais faites les choses des VIP. And I think that together with the BDS. Ensemble avec l'action BDS. This is a very important development. Ceci est un développement important. But of course, by itself, will not change the reality on the ground. Qui ne changera pas à elle toute seule la réalité sur le terrain. But will contribute in the future to such a change. Mais contribuera au changement à l'avenir. Another question was why there are so few of us in Israel. On m'a aussi demandé pourquoi il y a si peu de gens parmi nous en Israël à protester. It's a complicated question with which I deal in the book. C'est compliqué, j'en parle dans le bouquin. Part of the problem was what I call liberal Zionism. Une partie du problème, c'est ce que j'ai appelé le sionisme libéral.
there was this part of Zionism that seemed to the world to be more socialist, more democratic. Il y a cette, oui, quand il emploie sionisme libéral, je dois préciser qu'il emploie le mot libéral dans le sens aux États-Unis, qui est à dire centre-gauche, et pas comme on l'emploie en France. Et donc il explique qu'il y a une tendance dans le sionisme qui a l'air plus socialisant, plus progressiste. And this created among Israelis the feeling that they are doing enough. Et ça a donné aux Israéliens le sentiment qu'ils en font assez. Where in fact they were helping the oppression and the colonization. En réalité, donc ce courant gauche du sionisme aide l'oppression et l'occupation. But this liberal Zionist movement is slowly disappearing. Mais ce sionisme centre-gauche, on va dire, est en train de disparaître. And we have a small anti-Zionist movement. Et nous avons un mouvement anti-sioniste petit. And I think that now at least we have a clear opposition. It is small, but at least it knows where it's going. Et maintenant l'opposition est claire, c'est petit, mais au moins il sait où il va. And now, for the last point was about Daesh and conspiracy theories. À propos de théories du complot concernant Daesh. I agree. I think that there is a difference between two things. Je suis d'accord. À mon avis, il y a une différence entre deux choses. One is the responsibility of Israel, the United States, and other countries. L'une, c'est la responsabilité d'Israël, des États-Unis et d'autres pays. In strengthening Islamic fundamentalism, qui ont renforcé l'islamisme fondamentaliste in the 1970s, dans les années 70, because they were afraid of the secular socialist left, parce qu'ils avaient peur de la gauche laïque. That's definitely eventually also contributed to a phenomenon like Daesh. Et ça, clairement, ça a contribué au phénomène Daesh. And this does not mean that today the Islamic State is directly operated from Tel Aviv. Cela ne veut pas dire que ce mouvement est opéré directement de Tel Aviv. But Tel Aviv does not mind at all the existence of the Islamic State. Mais Tel Aviv, ça ne la gêne pas du tout l'existence de ce mouvement. On the contrary, as long as there is an Islamic State, Israel is sure that it is immune from any serious criticism. Au contraire, tant qu'il existe ce mouvement islamique fondamentaliste, Israël est bien à l'abri des critiques. The worst thing that can happen to Israel, la pire chose qui peut arriver à Israël, if the Middle East would be more quiet, peaceful and stabilized. C'est que le Moyen-Orient soit tranquille, paisible et stable. Then we will be back to 1987 when the first Intifada began a very healthy process of changing the attitudes in the world towards Palestine. Et là on en reviendrait à 1987 lorsque la première Intifada a changé l'attitude du monde par rapport à Israël. And you will answer about the Voilà. J'ai deux, trois petites choses à ajouter. Sur la question du lien entre Daesh et les États-Unis, ce n'est pas le thème de la soirée, on ne va pas développer, mais je pense qu'il est important de dire effectivement que les États-Unis ont tout fait pour briser tous les mouvements laïcs dans le monde arabes et musulmans en général. On a renversé Mossadegh par la CIA dans les années 50. On sait ce qu'on a eu en Iran. On a renversé Saddam Hussein. On sait ce qu'on a en Irak. On a renversé Kadhafi. On sait ce qu'on a en Libye. On essaye de renverser Bachar al-Assad. On voit ce qu'on va mettre à la place. Et dans le livre « Je suis ou je ne suis pas Charlie », j'ai documenté, sur base de déclarations et de documents des États-Unis eux-mêmes, comment ils ont construit ce que j'ai appelé l'opération Ben Laden et l'opération Ben Laden bis. Les dirigeants des États-Unis, Brzezinski, se sont vantés d'avoir envoyé Ben Laden en Afghanistan, et je suis convaincu qu'ils ont employé la même méthode
très intéressante. On n'envoie pas de GIs au sol, on n'est pas la cible de la riposte. Et donc, on fait se battre les gens entre eux. Et donc, je pense que tous ces mouvements sont consciemment ou pas consciemment, en réalité, les agents locaux des États-Unis. Évidemment, ça se passe par des intermédiaires. Donc, ce n'est pas conscient, mais c'est une utilisation très objective. Il y a beaucoup de documents des stratèges des États-Unis qui confirment que c'est une manipulation. Sur le point de la Libye et de votre grand philosophe national, il y a la semaine dernière une commission d'enquête britannique parlementaire, donc un parlement dirigé par des conservateurs, dominé par des conservateurs dans cette commission, qui a remis son rapport sur la Libye. Le rapport sur la Libye dit exactement tout ce que les complotistes comme nous ont dit dès le début, à savoir que oui, c'était une guerre pour le pétrole, à savoir que oui, on a fait alliance avec des forces Al-Qaïda, à savoir qu'on ne savait absolument pas ce qu'on allait faire après, et que c'était une énorme erreur de faire ça, que Clinton le faisait effectivement pour certains intérêts, que Sarkozy le faisait effectivement pour des intérêts précis, et donc on a maintenant la reconnaissance exacte dans cette commission d'enquête. Il y a eu, peu de temps auparavant, le même type de commission d'enquête qui a dit que Tony Blair avait menti et avait été un criminel de guerre. La grande question, c'est pourquoi il n'y a pas une ligne sur tout ça dans la presse française. La grande question, c'est pourquoi il n'y a pas de commission d'enquête en France alors que les responsables, Sarkozy, Juppé, Kouchner, Hollande, tous ont menti de la même façon sur la Libye ou sur la Syrie. Et bon, la grande question, là, vous connaissez la réponse. Mais la question suivante est, qu'est-ce que nous allons faire pour qu'il y ait interpellation sur ça? Il est urgent de faire savoir partout, dans les médias, sur les réseaux et partout, que ce que nous disons depuis le début est confirmé par des parlementaires de droite influents en Grande-Bretagne, qui, eux, sont en train de se dire, de faire le bilan, pas par des raisons morales, mais tout simplement pour dire ceci est contre-productif, on a créé un problème, et comment on va faire mieux la prochaine fois. Donc il faut, je pense, vraiment utiliser ce genre de révélation pour mettre en accusation ce qui se passe. Votre cher philosophe national avait d'ailleurs dit, je cite de mémoire, « Mon engagement en Libye, c'est par fidélité à Israël, ce que je fais là. » Donc, je crois que c'est intéressant aussi, puisque eux emploient l'argument « les Palestiniens sont des terroristes », mais de retourner l'offensive et de dire que M. BHL, Sarkozy, Kouchner et toute cette bande, et Juppé, ont en réalité utilisé consciemment des terroristes d'Al-Qaïda, parce que tout ça a été documenté déjà dès 2011, pour renverser un régime, pour satisfaire les intérêts d'Israël. La question de toute l'offensive au Moyen-Orient, ça fait partie d'un problème géostratégique. On attaque chacun des pays qui soutient les Palestiniens, on attaque chacun des pays qui peut être l'allié de l'Iran, et donc après la Syrie, ça va être les Palestiniens du Hamas, du Hezbollah, et tous les Palestiniens d'une manière générale. Et donc il s'agit de recoloniser l'ensemble du Moyen-Orient, et c'est à ça que sert ce monsieur. Je voudrais juste dire un dernier mot à propos du jeune garçon qui a dit que est-ce que BDS doit améliorer sa communication envers l'opinion publique? Je pense que, sans vouloir faire la leçon aux militants qui se battent sur le terrain tous les jours là-dessus, mais au contraire en s'inspirant de cet exemple, je pense que oui. Je pense qu'il y a un énorme effort à faire pour frapper beaucoup plus l'opinion et toucher beaucoup plus largement. Et j'ai personnellement un projet de bouquin par rapport à cette question de BDS. Ce qui empêche Investigation de le réaliser, c'est le manque de temps, le manque de moyens. Et donc, je voudrais en profiter pour lancer un appel à ceux qui peuvent nous aider à préparer ce projet. Vous venez me contacter là à notre stand par ailleurs, et je voudrais aussi en profiter, parce que je n'ai pas encore parlé d'Investigation, la plupart me connaissent, mais pas forcément tous.
Si vous ne recevez pas notre newsletter gratuite avec toutes les informations sur le livre, sur les Palestiniens, etc., je vais demander qu'on prenne ces cartons et qu'on le fasse circuler. Vous inscrivez votre adresse en majuscule et ça vous permettra d'être au courant de nos articles, de nos vidéos qu'on va développer et de nos actions et de nous donner un coup de main. Ça, c'est ultra important. Voilà, je ne sais pas. Oui, on peut encore prendre une ou deux questions pour... voilà. Parler des pays arabes. J'ai toujours considéré, j'ai fait la différence entre le peuple juif et l'État d'Israël, qui est un État sioniste, colonialiste, fasciste, un État qui se plaint du terrorisme et qui pratique un terrorisme d'État. Je l'ai dit à mes élèves pendant presque plus de 40 ans. Je ne confonds pas le peuple arabe avec ces feudalités arabes cyniques, corrompues, qui sont, à mon avis, des alliés objectifs du système impérialiste et de l'État d'Israël. Donc, il faut le dire ouvertement. Donc, je suis content qu'Yves a souligné cette question-là. Que le combat des peuples arabes, qui rejoint le combat des peuples palestiniens, c'est contre ces féodalités arabes également. La preuve, c'est que l'Arabie saoudite massacre les gens au Yémen, on se tait. Bon. Alors, je voudrais revenir sur mon frère qui a parlé des Israéliens. Non, je te dis que l'État d'Israël a déjà soutenu pendant longtemps le régime raciste d'Afrique du Sud, a formé ses tueurs. Et dans les pays francophones, bon, on est passé, comme tu le sais, d'un système colonial à un système néocolonial, et les fantoches que la France a installés dans nos pays ont tout de suite fait appel à Israël pour former leurs tueurs, leurs sbires. Et donc, l'État d'Israël a soutenu, a formé les tueurs des pays africains. Il y a quelques rares pays, comme le Ghana, qui ont contesté, bon, qui n'ont pas eu des relations avec l'État d'Israël. Donc, ce que tu dis là, il faut affirmer que les pays francophones, les néocolonies, etc., ont utilisé. Voilà, donc. C'est l'État d'Israël qui a formé les agents secrets. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est un État fasciste, un État qui... Bon. Alors, c'est parce que je voulais dire. Bon, je voulais insister là-dessus. Hein. Voilà, je vais laisser la parole. Donc, merci. Merci pour vos deux combats. Oui, merci. J'avais tout d'abord une question pour Ilan Papé. Oui, c'est là. Monsieur Ilan. Mr. Ilan. Here I am. Hello. Vous avez dû vous exiler d'Israël à cause de pression dans le milieu académique. Vous expliquez dans votre livre quelle est la pression que subissent les chercheurs. J'aimerais savoir si aujourd'hui, vous, en Angleterre, vous subissez ce même type de pression. Étant donné que des journalistes sont discrédités et on accorde quelques épithètes à leur nom pour les décrédibiliser, des chercheurs aussi éminents que Noam Chomsky, qui par ailleurs est juif, sont également traités d'antisémites. Est-ce que vous, dans votre travail aujourd'hui en Angleterre, vous avez subi ce type de pression dans le milieu académique? Et ma deuxième question, plutôt pour Michel Collomb, j'aimerais avoir un éclairage historique sur, si le temps le permet, sur l'évolution du sionisme et essayer de comprendre ce basculement de l'intérêt de cette région de la Palestine, qui était un intérêt géostratégique majeur pour la Grande-Bretagne, 18e, 19e, parce que ça permettait le contrôle de la route des Indes, donc ça a été à un moment donné un enjeu stratégique majeur pour l'affrontement des impérialismes anglais et français. Quel basculement il y a eu entre cette période-là et le début du 20e, où Lord Balfour a promis aux Juifs un État dans ce lieu de la Palestine, en prenant ensuite le mandat sur la Palestine et la Jordanie. Le basculement entre ce moment-là et juste après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'Israël est devenu un pivot géostratégique majeur pour les USA. Comment, voilà un petit peu ce basculement s'est opéré. Mon hypothèse, c'est peut-être qu'une partie des élites juives d'Europe ont fui les pogroms et la Seconde Guerre mondiale pour s'exiler aux États-Unis et ont eu un impact plus important et ont formé un lobby sioniste plus important sur l'élite politique aux États-Unis.
Et j'ai lu également un article d'un stratège israélien qui a écrit en 1982, un article très intéressant, qui prônait pour la politique étrangère israélienne une politique visant à diviser les pays arabes environnants pour en faire des petits États antagonistes qui se battent les uns contre les autres sur une base confessionnelle. C'était en 82. Et en 2003, on a des cartes de l'état-major états-unien qui mettent en place un projet qui s'appelle le Grand Moyen-Orient, le Moyen-Orient élargi, qui se base également sur une division confessionnelle pour diviser la Syrie en plusieurs États, pour diviser la Libye en plusieurs États, pour diviser l'Irak et d'autres pays en plusieurs petits États sur une base confessionnelle. Donc c'est intéressant de voir la concordance d'intérêts qu'il peut y avoir à un moment donné pour Israël d'avoir une division et une partition du Moyen-Orient, ce qui est en train de se passer actuellement, et avec en Syrie un Alaouistan, un Kurdistan et un Sunnistan. C'était déjà prévu en 2003. Voilà, bon, c'est une question un petit peu globale, mais cet éclairage historique, je pense, nous permettra de mieux comprendre l'évolution du sionisme sur le terrain. Merci. Il y a encore au moins une question ici. Simplement pour savoir, vous êtes à l'université en Angleterre et je sais qu'il y a des universitaires anglais qui boycottent, qui appellent au boycott en tout cas les travaux de recherche et les relations avec les chercheurs israéliens. Comment vous expliquez qu'on ne puisse pas avoir le même type d'approche avec les universitaires français qui en fait sont très frileux sur la question? Il y aura encore des questions, mais on va répondre celle-ci. Monsieur Papé, depuis quelques années, Israël a engagé une politique démographique agressive. Et on entend ces derniers temps des universitaires tirer la sonnette d'alarme sur le problème de ressources qui se posera bientôt. Donc je voudrais savoir si vous pouvez nous dire un peu plus et quelles seraient les répercussions sur une solution éventuelle. Merci. Il y a encore une question ici. Merci. Donc, vous avez parlé de la propagande, mais la propagande a accompagné la guerre et la colonisation tout l'histoire, spécialement dans les conflits entre Orient et Occident. Mais la notion Orient et Occident a changé à travers l'histoire. À la fin du Moyen-Âge et à l'époque des croisades, l'Occident était l'Occident catholique contre l'Orient orthodoxe et juif musulman. Maintenant, apparemment, la notion de l'Occident et Orient a changé. Donc, notre ami a parlé des évangélistes qui soutiennent Israël. Et notre ami a parlé qu'Israël est entré dans le CDU. On entend de plus en plus dans les médias l'Europe judéo-chrétienne. Judéo-chrétien, ça veut dire catholique, protestante et juif. Qu'est-ce qu'on a laissé pour l'Orient? On a laissé l'Orient musulman, l'Orient islamiste, l'Orient intégriste, l'Orient Daesh. Cela serait décrié Edouard Saïd. Est-ce que cette stigmatisation n'entre pas dans la propagande? On va devoir arrêter parce qu'il y a énormément de questions, mais il y a encore un débat demain. Et il faut aussi que vous ayez la possibilité d'acheter le bouquin d'Ilan Papé, de l'acheter pour vos copains. C'est très important parce qu'InvestiAction fait un investissement et il y a un imprimeur qui veut qu'on le paye. C'est embêtant, c'est comme ça. Et je crois que c'est un bouquin très très utile et important. Et Ilan signera son livre et pourra encore répondre à vos questions parce que les meilleures choses doivent avoir une fin. Je vais donc m'efforcer de traduire les questions d'Ilan et puis je répondrai à une question qui m'a été posée. Ok, thank you. Several points. I hope I understood all of them.
I'm glad the friend here has brought the Judaism and Zionism. Je suis content que notre ami a parlé du judaïsme et du sionisme. Probably one of the most important challenges we are facing. Probablement un des défis les plus importants. Is not to equate Zionism with Judaism. Il ne faut pas faire une équation entre les deux, c'est pas la même chose. As Israel wants us to do. Comme Israël voudrait qu'on le fasse. I think the more we succeed to divorce Zionism from Judaism, plus nous arriverons à dissocier le judaïsme et le sionisme, the more we can challenge the propaganda. Le mieux nous pourrons défier, vaincre la propagande. And the whole accusation of antisemitism will not be effective. Et cette accusation d'antisémitisme va tomber. The point about the Israeli involvement in Africa. L'engagement d'Israël en Afrique. Israel is exporter of security. C'est un exportateur de sécurité. As I said before, this is not different from what from the role Israel is trying to play today in France. Ce n'est pas différent du rôle qu'il essaie de jouer en France. So the question is beyond Palestine. Donc ça va au-delà de la Palestine. It's the question of the role of morality or moral consideration in foreign policy and domestic policy and security policy. C'est la question de la moralité dans la politique internationale et la politique de sécurité. If we succeed in including Israel in all these moral discussions, si on arrive à impliquer Israël dans ces discussions sur la moralité, when we discuss Africa or Syria or any other part of the world, quand nous allons parler de l'Afrique, de la Syrie ou de n'importe quelle autre région du monde, we are contributing to a successful challenge of the Israeli propaganda. Nous allons mettre au défi la propagande israélienne. I was asked about the situation in British academia. On m'a demandé mon avis sur le milieu académique. And anglais, pardon. Yeah, British. British. And also, what is the difference between England and France? Et la différence avec la France? I'll do it together. Je vais combiner les deux. I think there is a big difference for me between the Israeli academia and the British academia. Je vois une différence importante entre les deux. It is a far more open academia. C'est beaucoup plus ouvert. And the civil society in England is very pro-Palestinian. La société civile en Angleterre est très pro-palestinienne. So even if the university management or the political elite is still very pro-Israeli, it's much easier to be active in a society where the society is with your ideas. Même si la direction de l'université et les élites sont plus pro-israéliennes, c'est quand même plus facile de travailler dans une société où l'ambiance est pro-palestinienne. Why is it more difficult in France? Pourquoi c'est plus difficile en France? I think you know better than I do, but I will give my je pense que vous le savez mieux que moi, mais j'ai quand même donné mon avis. My wild guess. I think that all over Europe, it is very interesting. The countries who have, how shall I put it, have not closed yet the chapter of the Second World War. Partout en Europe, les pays qui, comment est-ce que je vais dire ça, n'ont pas réussi à fermer le chapitre de la Seconde Guerre mondiale. Tend to be pro-Israeli. Ils ont tendance à être pro-Israël. That's why Israel is particularly popular in the new countries that joined the EU. C'est pourquoi Israël est très populaire dans les pays qui récemment ont rejoint l'Union européenne. Whose societies had quite an unpleasant record during the Second World War. Parce que ce sont des sociétés qui ont vécu des choses douloureuses durant la Seconde Guerre mondiale. And I think we will have to open that question as well. Nous allons devoir ouvrir cette question également. Because the greatest success of Zionism, le grand succès du sionisme, was to tell the European society, a été de dire aux sociétés européennes, especially those who were not opposing Nazism, surtout celles qui ne se sont pas opposées au nazisme, you are forgiven if you support Zionism.
on vous pardonne si vous soutenez Israël. We have to question this historical agreement. Nous devons mettre en question, en débat, cette sorte d'accord historique. Because we all remember that if Europe felt so bad about what it did to the Jews in the Second World War. Il faut quand même se dire que si les Européens se sentent mal à propos de ce qu'ils ont fait aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, it should have done all that it was possible to bring them back to Europe. Il aurait fallu faire le maximum pour les ramener en Europe. And not to help them colonize Palestine. Et ne pas les aider à coloniser la Palestine. But that's now too late. Trop tard. I'm not Ahmadinejad. We cannot go back to Poland or Germany. Si je ne peux pas retourner en Pologne ou en Allemagne. So we have to find a solution between the Jewish settlers and the native Palestinians. Il faut donc trouver une solution entre les colons juifs et les Palestiniens nés là-bas. It has nothing to do with the Jews of Europe. Ça n'a rien à voir avec les Juifs d'Europe. It's between ourselves. C'est entre nous. And we deserve to have a normal democratic state all over Palestine as everybody else would like. Et nous avons besoin d'avoir un état démocratique en Palestine comme tout le monde. The last point was about religion. Le dernier point sur la religion. If I understood it correctly. Si j'ai bien compris. I think the conflict in Palestine is not about religion. Je crois que le conflit en Palestine, ça n'est pas une question de religion. Never was about religion. Il n'a jamais été. The Jews who came to Palestine, les Juifs qui sont arrivés en Palestine, were secular Jews. C'était des laïcs. They did not believe in God. Ils ne croyaient pas en Dieu. But they claimed that he promised them Palestine. Mais ils ont revendiqué qu'il leur avait dit, qu'il leur avait promis la Palestine. The Palestinians rejected Zionism. Les Palestiniens ont rejeté le sionisme on the basis of anti-colonialism, sur base de l'anticolonialisme, which they learned from the South America, Algeria, and Southeast Asia, qui leur avait été appris par l'Amérique latine, l'Algérie et le dernier jour. Je fatigue aussi. Vietcong. Et le Vietnam. Voilà. And therefore, a lot of Christians played an important role in the Palestinian national movement. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont joué un rôle important dans le mouvement palestinien. It is true that religion is now a more important part of the conflict. C'est vrai que maintenant la religion est devenue un élément important du conflit. And in both sides, when religion and nationalism meet together, et des deux côtés, quand on mixe nationalisme et religion, you don't want to be around. Il vaut mieux ne pas s'en approcher. We, I don't know how many of you believe in all the posters that we see in the back. Je ne sais pas combien d'entre vous croient dans les posters qu'on voit là-bas derrière. These posters tell us about a great period where solidarity between workers and working people was the main force of liberation. Ces affiches, ces posters, nous parlent d'une époque où la solidarité entre les travailleurs et les peuples était une force dirigeante importante. When it wasn't important what religion you are, what color you are, and what race you are. Et alors, ça n'était pas important quelle était votre religion, votre couleur, votre race. We should not give up. Il ne faudrait pas abandonner cette idée. Because this is the only idea that would bring peace. C'est la seule idée. Palestine and the Middle East. Pardon, c'est la seule idée qui peut amener la paix en Palestine et au Moyen-Orient. Je vais être très bref pour permettre. Non, désolé. Non, on ne va pas pouvoir. On a déjà refusé toute une série de questions. On va. Je demanderai patience. On peut la poser là-bas. Sioniste et que nous sommes une province palestinienne, de par les médias, de par le système bancaire et politique. D'accord. Est-ce que c'est un vrai? On va en parler autour. S'il y a quelqu'un qui a gentil de nous traduire, j'aimerais bien qu'il me réponde. Ouais, c'est la seule question que je voudrais poser. Sa question, je reste.
Si c'est sur la France, même en tant qu'immigré, je vais vous répondre, mais très brièvement, et je vais vous demander qu'on respecte ce qui a été décidé. On va se retrouver autour du stade et on pourra creuser ces choses-là rapidement. Je ne pense pas que la France est sous contrôle sioniste. Je pense que le lobby sioniste joue un rôle important, mais comme Noam Chomsky l'avait indiqué et Samir Amin dans le livre Israël, parlons-en, lorsque je leur ai posé la question, on entend souvent dire non seulement que la France, mais que les États-Unis sont dirigés par Israël. Et je ne sais plus lequel des deux a répondu. Quand quelqu'un promène son chien, ce n'est pas le chien qui dirige le maître, c'est quand même le maître qui dirige le chien, en général. Et il faut voir le poids économique de l'un et de l'autre, le poids politique de l'un et de l'autre. Et si demain les États-Unis décidaient d'arrêter de soutenir Israël par les 3 ou 4 milliards de dollars qu'ils donnent chaque année pour aider Israël, ce serait terminé. Israël devrait négocier dans les 5 minutes. Donc, mais on ne va pas faire un dialogue à nous deux, si vous voulez bien. Je vais répondre aux autres questions aussi, et puis on va rester là. Je pense, et ça touche à ce que Michael, depuis le stand, a posé comme question en demandant pourquoi les Britanniques ont évolué dans leur attitude, puis ils ont promis... de donner la Palestine, Lord Balfour a promis de distraire, de donner la Palestine aux colons juifs, puis les États-Unis sont arrivés, et Michael se demandait si le fait que beaucoup de juifs avaient émigré aux États-Unis, que c'était ça qui aurait fait changer la politique des États-Unis envers Israël. Je pense que non. Je peux me tromper, Ilan me corrigera si je n'ai pas toutes les informations. Mais je pense qu'il faut voir justement la politique des sionistes comme une pièce, un instrument dans la politique des impérialistes. Il ne faut pas inverser le rapport. Les sionistes ne sont pas le moteur. Et ils le savaient très bien parce que quand, en 1895, je pense, à Bâle, le mouvement sioniste a fait son congrès, il y avait effectivement de l'antisémitisme et des persécutions contre les juifs en Russie, en Pologne et en France. Et une partie, une petite partie de la communauté juive se disait « on n'a pas notre place ici, on devrait aller ailleurs ». La partie qui disait ça, c'était, au point de vue analyse de classe, la partie de la bourgeoisie juive, qui effectivement n'avait pas son propre État en Europe. Tous les États européens, soit s'étaient constitués depuis longtemps, comme la France et l'Angleterre, soit venaient de se constituer récemment, comme l'Allemagne, l'Italie. Donc les États que nous connaissons maintenant en Europe se sont formés au plus tard en 1870. Il n'y avait pas d'État juif, et donc la bourgeoisie juive était dispersée dans différents États et pouvait avoir ses intérêts lésés par cette situation. Donc ils se sont demandé où est-ce qu'on va aller, et cette minorité, j'insiste, les sionistes autour d'Herzl, ont dit on va aller soit en Amérique latine, soit en Afrique, soit en Palestine. Ils avaient plusieurs options, ce qui montrait bien que ce n'était pas le problème de la Palestine. Et puis ils ont décidé d'aller en Palestine, mais ils ont dit nous ne sommes pas assez forts par nous-mêmes pour aller coloniser et nous imposer dans un endroit où eux, ils savaient très bien qu'on ne voulait pas d'eux. Et donc, ils ont dit, on va se proposer, on va proposer nos services aux impérialistes qui pourront nous protéger pour notre projet. Et ils se sont d'abord proposés à l'Empire ottoman, mais celui-ci était en déclin parce qu'il contrôlait la région, mais il était en déclin et il n'était pas intéressé. Puis ils se sont proposés aux Britanniques, qui ont été très intéressés. Quand on a découvert le pétrole, en 1905, quand on a, pas découvert, mais commencé l'industrialisation du pétrole en Iran en 1916, et donc c'est à ce moment-là que les Britanniques ont proposé. Pourquoi les États-Unis ont pris le relais? Ça, c'est une question de géostratégie mondiale. L'Empire britannique a
connu son déclin avec la Deuxième Guerre mondiale. Après, ça a été terminé. Ils ont dû abandonner leur colonie. Et les États-Unis, qui avaient joué un rôle très malin dans la Deuxième Guerre mondiale, je rappelle Henry Ford qui disait on devrait soutenir et Hitler et les Anglais. On construit pour les uns, on prête pour les autres. Et à la fin, c'est nous qui devenons la superpuissance mondiale. Ce qui est arrivé. Et donc, les États-Unis, tout simplement, ont pris la place des Anglais. Et ils ont dit à Israël, mais aussi aux Saouds, bon, maintenant, c'est nous le boss de la mafia et vous allez travailler pour nous. Ça s'est fait. Pourtant, les États-Unis n'ont pas tout de suite mis l'accélérateur sur la propagande pro-Israël. Il faut rappeler que quand on a voulu parler des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et du nazisme aux États-Unis, les États-Unis ont dit, et là on se calme, hein, ils avaient importé Gehlen, le chef des services secrets, grâce pour récupérer tout son espionnage des communistes. Ils avaient récupéré Von Braun pour les fusées, et la NASA est basée sur Von Braun et toute une série d'autres. Et donc il ne fallait pas trop la ramener sur cette question des souffrances des Juifs. Il faut dire que les États-Unis, dans un premier temps, continuaient à compter sur les monarchies arabes en Arabie Saoudite, mais aussi en Libye, en Irak, etc. Et quand ces monarchies ont été renversées en Égypte, quand elles ont été renversées, et quand Israël a fait ses preuves en 67 qu'il était capable d'attaquer les pays arabes et de jouer le flic du quartier, à ce moment-là, seulement les États-Unis ont dit « Ah oui, Israël, ça va être notre agent ». Les autres, on ne va plus y faire confiance. Et donc, à ce moment-là seulement, on a commencé toute la propagande qui, comme a dit Ilan, a assimilé. Si vous êtes contre Israël aujourd'hui, ben, ça veut dire que vous êtes complice des nazis. Et c'est ce que Finkelstein a appelé l'industrie de l'Holocauste et toute cette propagande. Donc, je pense que c'est dans cet ordre-là qu'il faut voir... Pardon si j'étais un petit peu long, mais je crois que c'est dans cet ordre-là qu'il faut voir la subordination d'Israël qui se vend à l'impérialisme le plus intéressant. Ce qui veut dire, je ne sais plus qui a fait la remarque, que le jour où les États-Unis vont décider de lâcher Israël parce que ça coûte trop cher, que ce n'est plus intéressant, parce qu'on va espérer jouer une autre carte, pour l'instant on n'en est pas là manifestement, mais le jour où ça arrive, ça va créer une situation grave pour les Juifs qui vivent en Israël, et justement c'est une raison de maintenant jeter les bases d'un État démocratique qui garantira une vie démocratique et égale à tous les gens qui vivent là-bas maintenant. Ça, c'est important aussi. Voilà, si vous voulez bien, Jean-François, un mot de conclusion et on doit rester là. Oui, le mot de conclusion sera très, très rapide dans la mesure où les débats sont amenés à se poursuivre. Ils vont se poursuivre sur les tables. Il y a effectivement le livre qui est là-bas qui doit être acheté. Je vous donne nos rendez-vous parce que nous aurons un débat sur BDS extrêmement important qui va se dérouler à quelques centaines de mètres d'ici. C'est Roger Salengro à LM au début du mois prochain, c'est-à-dire le 11. Il y aura un débat sur la criminalisation de BDS, autour de la criminalisation de BDS avec un dépôt spécialiste de la question. Mais concernant BDS, il y a un premier rendez-vous. C'est samedi prochain, à Lille, devant Euralille, il y a un appel au boycott qui est lancé devant Euralille. C'est à 15h et c'est le premier rassemblement qui est d'ailleurs un appel national BDS, forcé par le mouvement BDS et par l'association France-Palestine Solidarité. Donc, première manifestation le 1er octobre, le 2 octobre et le... 9 octobre, il y a des forums, il y a braderie de Douai où nous mettrons l'accent sur les prisonniers palestiniens parce qu'il y a nécessité d'une action spécifique de défense des prisonniers palestiniens, de solidarité avec les prisonniers palestiniens. Un des aspects de l'apartheid, de l'oppression israélienne, c'est le sort réservé aux prisonniers par Israël, avec y compris toute une série de mépris du droit. Donc, 2, 9 pour Douai, et d'autre part pour Lille, c'est le 8 octobre, forum des associations, là aussi, c'est sur les prisonniers. Donc, il y a 4 actions déjà, tout de suite,
qui sont lancées par l'AIP Nord-Pas-de-Calais, mais aussi la communauté palestinienne du Nord, avec d'autre part l'UMRAP, je ne vais pas citer toutes les organisations, il y a un mouvement de solidarité qui s'organise dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment l'Île-et-Douai, c'est très vite dans l'action, c'est la semaine prochaine. Avant que vous quittiez la salle, donc simplement pour rappeler que vous avez bien compris que le savoir est une arme et que notre camarade Claude là-bas qui a ramené sa riche bibliothèque vous attend pour consulter ou pour acheter des livres. Voilà, c'est la référence aux affiches aussi que Ilan Pappé a faites et qui représente les leaders de la lutte palestinienne pour l'application des droits nationaux du peuple palestinien. Merci d'être venus si nombreux. Donc n'oubliez pas le prochain rendez-vous, 1er octobre, devant Euralille, pour une action boycott contre Israël. La communication, elle passe aussi comme ça. Merci et bonne fin de soirée.